Yo les amis, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une très courte vidéo sur Empire and Puzzle. Aujourd'hui, cette vidéo est un petit peu, j'ai envie de dire, le bilan d'une année écoulée en mode quasi free-to-play. On va l'appeler comme ça parce que c'est pas une 100% free to play comme on pourrait l'imaginer et c'est pas une euh, pay to win non plus. En fait, je dis ça parce que bah, ça a été entremêlé de quelques achats de pass VIP. Et donc, je vais expliquer pourquoi, en fait, j'ai eu usage de ces passes VIP. Donc, rien euh, n'a été vraiment fait pour devenir euh, un pay to win. Hein, absolument rien. La plupart des items et des héros que j'ai réussi à obtenir, ce sont euh, les quelques gemmes, quand même, mine de rien, accumulés par le pass VIP. Et puis sinon les différents tokens que j'ai pu avoir, il n'y a jamais eu d'achat quel qu'il soit autre à part peut-être les trucs de la Saint-Valentin et le truc de Noël, le cadeau de Noël peut-être pour l'équipe, mais c'est vraiment des bricoles ça. Donc du coup là c'est une vidéo qui va montrer un petit peu ce qu'on est capable d'avoir euh, à terme d'une année de quasiment free-to-play, donc à 15 euros de VIP VIP prêt. Si ça doit être le troisième VIP que j'achète. Euh, étant donné que si je regarde un petit peu dans mes options, c'est pas les à propos, non, c'est pas là-dedans. Euh, c'est pas là-dedans. C'est où les passes VIP déjà Je me souviens plus. C'est dans quoi qu'on va les chercher C'est boutique Non, c'est pas boutique. Euh, Peut-être ici Passe actif. VIP gratuit, voilà. Et donc, en fait, grâce à quand même quelques, quelques amis. J'ai réussi à avoir quand même quelques passes VIP bah, tout au long bah, de cette année. Donc il me manque un dernier pass VIP qui est très difficile, beaucoup, enfin, très difficile, beaucoup plus difficile à obtenir. Donc c'est beaucoup plus long. Et il faut savoir quand même que certains bâtiments euh, bah, nécessitent des grosses, grosses, grosses journées de préparation en fait, euh, pour être mis à niveau. C'est pourquoi euh, j'ai décidé quand même pour donner un petit coup de boost, mine de rien, à ce jeu. Euh, j'ai utilisé quand même un petit peu d'argent pour acheter le pass VIP afin d'avoir essentiellement, je dis bien essentiellement, le double maçon. Euh, là on pense que le bastion par exemple, c'est 10 jours de montée de niveau. Euh, Dites-vous bien que quand on vous êtes en VIP tout court, euh, l'évolution de votre camp, elle est vraiment, vraiment très difficile. Là vous voyez pour monter juste un stockage de fer. Euh, il faut 6 jours, 21 heures, donc autant dire 7 jours, sur un simple maçon, c'est la folie. Et en fait, vous n'avez pas la possibilité de consommer euh, efficacement vos ressources. Et là, j'arrive à, à avoir une stabilité quand même relativement efficace au niveau de la consommation de mes ressources. Du coup... Les, les cinq paliers, je crois, euh, c'est pas là encore une fois. J'arrive jamais à trouver exactement où c'est pour le passe VIP ami. Donc, du coup, il y a eu un passe VIP 10 jours, une fois, deux fois, un passe de 15 jours ici, 20 jours et 30 jours. Donc, voilà, ça fait deux mois, deux mois et demi, euh, deux mois et demi, grosso modo, de passe VIP gratuit, on va dire ça bien jonglé. Et euh, là, il me reste huit jours. 15 jours de passe VIP actif et ça doit être le troisième que j'achète à l'heure actuelle. Donc voilà, on est à à peu près l'équivalent de 5-6 mois de VIP. Je dois dire que j'en ai pas vraiment eu tellement besoin au départ puisque au départ donc je conseille aux gens de ne pas spécialement le prendre, bien que ça puisse apporter vraiment quelque chose de, de précieux et de significatif même au départ. Moi je l'ai pris vraiment avec insistance, plus là maintenant que bah, beaucoup de bâtiments sont niveau 20, beaucoup de bâtiments demandent beaucoup de temps de préparation. Et afin justement de pouvoir consommer mes ressources efficacement et de développer bah, le reste de mon camp plus efficacement, c'est vrai que le pass VIP devient vraiment nécessaire. Donc maintenant, libre à chacun d'entre vous qui allez voir cette vidéo de juger si c'est un free to play ou un pay to win. Moi, j'estime ne pas être en pay-to-win, mais en toute franchise, ce n'est pas non plus un free-to-play à proprement parler, puisque on est à l'heure du jour à une vingtaine, à environ 25 euros de mis dans le jeu. Voilà. Donc c'est au bout d'un an de jeu. Donc faisons le bilan un petit peu. Au bout d'un an de jeu, qu'est-ce qu'on a pour un quasi euh, free-to-play On a un bastion qui arrive euh, niveau 24. Donc ça c'est plutôt bien, c'est très encourageant, parce que du coup, pour une, vraiment pour une somme assez dérisoire, mine de rien, euh, et je pense que ça peut être vraiment fait plus rapidement, on en est euh, vraiment avec un bastion euh, niveau 24, donc jusqu'au niveau 25 il pourra aller. On a quand même des bâtiments essentiels, donc les bâtiments de production principaux et les stockages, j'entends donc les dépôts, les silos, les... Euh, mines de production de fer et les moulins, tout ça sont déjà arrivés au niveau 20. Euh, ce sont avec la tour de guet les bâtiments essentiels euh, à, euh, à, au fait de bien mener et rondement mener son aventure sur ce jeu. J'insiste sur le fait qu'il faut quand même penser à monter pour maintenir une économie vraiment efficace, pensez à monter une forge au niveau 20 et bien sûr un camp d'entraînement niveau 20. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà un petit peu euh, où en est le camp avec à peu près 6 mois de VIP, dont la plupart ont été quand même solutionnés par les amis. Et donc 3 euh, trois, trois mois de VIP, donc payés, et puis 2-3 autres bricoles. Voilà. Euh, au niveau du camp, on est quand même sur quelque chose de vraiment intéressant, on va passer sur quelque chose d'encore plus efficace dès qu'on aura atteint euh, le niveau de camp 25, et là, la nécessité d'acheter des passes VIP deviendra or, beaucoup moins intéressante, puisqu'on va avoir accès à l'ensemble euh, des bastiments primordiaux, j'ai envie de dire, comme le laboratoire alchimique, le pavillon de chasse ou encore la caserne ou bientôt l'académie des héros. Euh, ces bâtiments euh, nécessiteront beaucoup de temps et de préparation, euh, mais le jeu est parfaitement fonctionnel et le camp est optimal de cette manière. Et ça permet quand même d'avoir la possibilité d'entraîner camp 20 des héros, de produire des outils de forge niveau 20, de faire évoluer, de continuellement faire évoluer pavillon de chasse, laboratoire alchimique et bientôt... Donc, Académie des héros, pour pouvoir continuer de développer euh, l'activité du jeu et donc d'absorber les coûts de production. Euh, là, je pense que je vais essayer quand même de continuer le Pass VIP sur encore un mois, donc qui va me faire rajouter encore 5 euros dans le jeu. Donc, pour avoir euh, la possibilité de monter mes dépôts de, de blé et euh, les dépôts de fer bah, à leur niveau le plus élevé le plus rapidement possible et tout en dispatchant donc en faisant du dépôt là et du dépôt là pour pouvoir continuer de promouvoir le bastion jusqu'à son niveau 25 qui va lui demander euh, à peu près 10-12 jours de production donc pour pouvoir continuer de produire sur les autres bâtiments en attendant et de pouvoir continuer de consommer mon économie c'est très important donc dans les, dans les débuts dans la première année hein, vraiment de faire évoluer la forge au niveau 20 afin d'avoir accès à tous les items de production et ainsi consommer votre nourriture euh, et votre fer de manière efficace. Ça veut dire de ne jamais vraiment tomber euh, avec une économie euh, bah, trop haute et avoir des ressources qui sont blindées, blindées. Comme ça, vous pouvez vraiment optimiser la production de votre camp et de vos items, de vos héros, etc., etc. C'est très important de faire ça, je dis ça parce que il y en a beaucoup qui vont peut-être mésestimer l'intérêt et l'impact de monter une forge, par exemple niveau 20. Euh, et un camp niveau 20 alors le camp niveau 20 beaucoup moins mais la forge niveau 20 c'est vraiment important parce que vous allez avoir accès non seulement à des items vraiment très puissants mais en plus ces items là vous permettront de compenser l'excédent de ressources que vous n'arriverez pas à consommer sur l'évolution ou la montée de vos héros ou l'évolution et la montée de votre camp donc vraiment important de solliciter ces bâtiments là qui vous serviront vous voyez là ils tournent pas mais ça me sert de point d'appui quand je vois par exemple que je ne peux ni faire évoluer un héros euh, ni le faire progresser ni le faire passer à un palier ni monter des troupes parce que les troupes bah c'est pareil ça se trouve pas facilement euh, ni produire euh, des outils du pavillon de chasse par exemple qui sert beaucoup plus je dois dire aujourd'hui que je suis en pseudo free to play je le dis encore plutôt que avant quand j'avais mon gros compte pay-to-win c'est curieux mais il sert plus aujourd'hui et je l'utilise avec beaucoup plus d'efficacité euh, qu'à l'époque le laboratoire d'alchimie qui continue de tourner d'ardar aussi pour produire des alcheklats qui sont vraiment très précieux donc ça aussi c'est une bonne chose donc recherchez ces bâtiments là voilà dès que vous démarrez le jeu voilà en un an voilà c'est les bâtiments assez importants à monter pour vraiment avoir une stabilité euh, économique et de productivité de votre camp Maintenant, si on fait un peu le point sur les héros, alors la montée des héros, que vous soyez pay to win ou free to play, de toute façon, ça prend toujours beaucoup de temps. Ça, c'est un truc qui est clair, on ne peut pas passer à côté. Maintenant, la production, euh... enfin, l'obtention de héros légendaires en mode free to play ou quasi free to play, je dois dire qu'elle est quand même sensiblement basse. Il faut vraiment miser sur le camp 20. Et peut-être avoir la chance avec l'Académie des Héros, quand elle sera arrivée à son niveau maximum aussi, de changer euh, vos héros du camp euh, 20, donc vos, vos héros saison 1, pour des héros plus efficaces et plus puissants, qui vous permettront d'évoluer. Je n'ai quand même pas à me plaindre, je dois dire, puisque j'ai quand même 5 héros donc un de chaque couleur monté donc en légendaire une excellente Sartana qui est là une Cadilène qui est tout aussi excellente donc qui sont bien sûr non costumées parce que j'ai pas eu la chance de les avoir en costume mais qui sont là qui font quand même le travail j'ai eu la chance de choper Iris dans un tirage bonus il y a pas très longtemps qui est vraiment au demeurant un excellent héros vous pourrez aller voir la vidéo sur ce HOTM si vous le souhaitez le Leonidas donc qui est un très bon euh, héros de saison 1 qui met vraiment et la Helena qui j'ai finalement choisi de monter quand même puisque son niveau d'attaque quand même malgré tout reste quand même très confortable par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui et ça me permet quand même de faire des dégâts plus importants sur des titans par exemple après sur la chance sur des tirages des tokens etc j'ai eu la chance d'avoir des héros un petit peu plus particuliers comme Frank ici de la saison 3 je crois si... non c'est quoi ça Famille Morlovia pardon donc ça c'est sur l'événement Morlovia euh, ça c'est saison 3 ça euh, Royaume d'Asgard, donc du coup ça c'est un héros saison 3 que j'ai eu avec des tokens ou sur un tirage simple, je sais plus exactement. Euh, beaucoup de saisons euh, de héros saison 1 avec leurs costumes. Et puis après bah, pour les héros des événements, j'ai quand même eu la chance d'avoir Ansel euh, et Gretel que j'ai pas encore pu monter. Elle est là. J'ai eu une Dame Lennel aussi dans l'événement de Pâques il n'y a pas très longtemps, donc ça c'est super sympa. Quelques héros saison 2 qui sont venus faire leur petite apparition ici, mais ce sont vraiment de bons héros. Hein. Je, parle de, je pense à Proté par exemple. Donc ils sont venus enrichir mon deck. Euh, après on a beaucoup de s1 il y a beaucoup de héros saison 3 et là on a un héros saison 5 qui est venu euh, bah, terminer en fait terminer ma conclusion de, de, de héros de bons héros de ces derniers temps donc ça ça va être un petit héros 4 étoiles avec lequel bah, je vais pouvoir me battre aussi et voir continuer de faire évoluer Je vous cache pas que le presque quasi free to play euh, qui est orchestré de cette manière là, ça donne vraiment vraiment envie de jouer en fait, ça donne envie de s'accrocher, ça donne envie d'atteindre des objectifs. J'ai eu quand même euh, par ailleurs de très très bons résultats de tournois ces derniers temps. Euh, J'étais pas bien haut euh, qualifié puisque bah, je manque d'armement et je manque vraiment de puissance de combat. Mais j'ai quand même réussi à maintenir, avec le peu que j'ai, des défenses de rang A. Donc, ce qui est quand même assez particulier. Bah, disons que, de toute façon, le tournoi organise le jeu pour tomber sur des adversaires à peu près de votre niveau. Euh, les raids, je me défends quand même aussi assez bien. J'ai une défense raid qui est quand même pas dégueulasse. C'est pas la meilleure défense, euh, du monde, mais ça tourne, c'est efficace. Ça me permet de maintenir mon équipe dans les euh, 2200 trophées quand même, hein. Euh, là voilà, je suis à 2254 euh, trophées et je ne dois dire qu'au niveau des raids, je ne fais que les revenges, enfin que les revanches, que les revanches pour jouer pour récupérer des points que j'aurais perdu et récupérer des ressources etc., etc et donc la plupart du temps j'en suis même à affronter des joueurs bah, de niveau diamant donc tout ça et des équipes qui sont vraiment bien plus fortes hein. regardez ici euh, et ça c'est quelqu'un que j'ai affronté l'autre jour j'ai fait un revenge euh, à quelqu un quelqu'un donc en raid qui a 4830 de puissance avec des héros quand même des HOTM des, HOTM, des bons héros là, de, de la saison 3 Freya qui est un excellent héros pas mal de héros saison 1 quand même mon quelques comment dire HOTM aussi un petit peu ancien mais bon ce sont des gros héros c'est des gens qui sont quand même en diamant et moi je ne paye pas quoi donc du coup je sais pas si cette personne là a payé ou pas mais euh, là je dois dire il a quand même des héros enfin des troupes niveau 16 17 moi j'en suis pas là quoi petit point de vue troupes alors là je dois dire que c'est plutôt par contre beaucoup plus difficile parce que là j'attends exactement l'académie des héros c'est pour ça que j'ai essayé de rusher le bastion 25 le plus rapidement possible, puisque c'est le, le vrai conseil que je peux donner à quelqu'un qui... Est complètement free to play ou quelqu'un qui n'utiliserait que les passes VIP c'est d'aller rusher le bastion 25 afin d'avoir l'académie des héros pour pouvoir avoir accès à tous les bâtiments de production de votre jeu et qui vous aideront eux vraiment à faire évoluer bah, vos troupes vos héros etc etc à produire des héros bah, plus intéressants des troupes de les monter plus fortes etc alors là je ne monte pas très très vite parce qu'en fait je monte la caserne par étapes et j'attends en fait d'avoir atteint les niveaux maximum donc voilà, niveau max 6 dans les casernes, niveau 4. Et j'essaye de monter toutes mes troupes 4 étoiles, en fait, euh, à niveau de mon, euh, de ma caserne. Et du coup, j'essaye de faire évoluer mes, mes, mes troupes de cette manière-là. Et j'essaye de faire évoluer les troupes 4 étoiles, 3 étoiles et un petit peu du 2 étoiles aussi pour les tournois. Donc, euh, je garde quelques troupes en réserve et je participe aussi, bah, en même temps, euh, à la voix du courage et qui me permet du coup de faire de temps en temps euh, l'objectif de défis quotidiens qu'on demande de faire monter soit le héros d'une troupe, soit d'utiliser deux troupes pour monter l'expérience d'une autre troupe, etc. etc. Donc j'essaie vraiment d'agrémenter mon jeu de telle façon que je puisse progresser un petit peu sur tous les tableaux, sans me démunir, sans aller trop dans l'extrême, toujours en gardant une, vraiment une, une, une gestion de l'économie vraiment optimale, une gestion des bonus octroyés vraiment optimale, quelque chose qui permette vraiment de faire tourner bah, le jeu efficacement et d'être vraiment... Bah, un petit peu sur tous les tableaux, vraiment, gagner les bonus quand il faut les gagner, et, et voilà, faire évoluer le jeu bah, de manière bah, le plus efficace possible. Quoi. Euh, du coup, je vais essayer quand même d'avoir du, du tir au pigeon, là, si c'est possible, histoire d'avoir mon petit bonus tout de suite. Ah C'est pas évident ça. Ah, si je l'ai vu quand même. <laughs> Vous voyez, on peut tirer sur l'écran et tout ça. Alors, Midgard pour l'instant. Alors... Bah justement, parlons-en un petit peu. La carte, donc en un an, vous avez bien sûr euh, la possibilité, hein, sérieusement, de finir la saison 1, ce qui est vraiment euh, bah, le plus important hein, à l'heure actuelle, la saison 1, puisque ça vous apporte quand même des lieux de farming. Hein. Euh, qui sont pas meilleurs euh, sur les saisons euh, euh, après, donc euh, les saisons suivantes. C'est pas la peine d'aller chercher absolument à aller jouer les saisons suivantes pour obtenir du farming, puisque vous avez vraiment tout dans la saison 1. Donc pour le farming, j'entends essentiellement, ce n'est pas nécessaire de rusher les autres saisons. Maintenant... Euh, C'est bien pour d'autres choses, comme l'avait suggéré euh, un collègue euh, il n'y a pas très longtemps euh, sur ce jeu. Il m'avait dit, il faut absolument jouer les autres saisons pour obtenir les précieux tokens qui permettent d'invoquer euh, bah, des héros des saisons supérieures bah, pour pouvoir rester compétitif évidemment tout en misant sur la chance d'avoir le plaisir de récupérer des bons héros quand vous utilisez ces tokens. Donc je l'ai quand même un peu écouté. Donc j'avance un petit peu à mon rythme pour l'instant, je ne peux pas puisque je n'ai pas atteint la province 15 de la saison 2, mais il faut savoir une chose, c'est que j'y suis tout proche. Mais moi je fais euh, absolument tous les niveaux, ça veut dire que je fais niveau facile et difficile. Donc du coup sur tous les paliers là de la saison 2, j'ai vraiment avancé, j'ai clôturé vraiment toutes les zones. Euh, jusqu'ici de la saison 2 j'avance progressivement mais par contre j'essaye de finir en facile et en difficile tous les combats je dois dire que pour l'instant à part l'absence d'énergie, que je ne peux pas recharger puisque je n'ai pas accès aux gemmes précieuses qui me permettraient de recharger mon énergie assez couramment. Euh, je dois dire que bah, j'avance en fonction bah, des quêtes euh, que j'ai à, à faire, on va dire, de, tout au long de, de, de mes semaines bah, de, de jeu. Et j'avance quand même tranquillement en essayant de faire donc bah, niveau facile, niveau difficile, afin d'obtenir bah, les précieux tokens euh, de la saison 2, déjà dans un premier temps, et espérer quand même faire tomber. Euh, euh, bah, disons le plus possible de héros déjà de saison 2 qui me permettront d'avancer. Je dois dire que pour l'instant honnêtement c'est pas la grande joie puisque malheureusement euh, je n'ai en saison 2 j'ai pas eu grand chose j'ai eu du chanchin, du gilra, du melia, euh, du namahage qui est pas si mal que ça, du Mzus que j'ai eu en costume, tiens d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est quand même assez sympa. Et j'ai eu des gâteaux, mais par milliers. Donc du coup, les gâteaux, ça j'en ai eu. J'ai eu un Muggy aussi, du coup. Euh, du coup, voilà, c'est pas... Voilà, il n'y a pas grand chose de vraiment très exceptionnel pour l'instant. En S2 et après que je regarde un petit peu, j'ai eu un Danza, un Proté quand même, donc ça c'est pas mal en S2, mais sinon rien d'autre rien d'autre de bien passionnant que je regarde. Ici en 4 étoiles montées, euh, non ça c'est du S1, du S1, du S1. Il y a le Gullin Burst Team et qui est S3. Non voilà, j'ai rien eu vraiment de S2 pour l'instant dans l'immédiat. Donc du coup bah voilà, affaire à suivre, hein, on va monter tranquillement. Pour euh, honnêtement, pour les GDA, au bout d'un an, donc voilà, on est sur euh, 5 héros légendaires montés. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, euh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 héros 4 étoiles montés et la plupart du temps avec le costume et emblémé. Et nous sommes sur 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 17 héros, 3 étoiles montées. Donc honnêtement, au bout d'un an, vous avez la possibilité quand même de rejoindre euh, une petite alliance ou une alliance vraiment moyenne à forte euh, pour vraiment même avoir la capacité de faire tournoi, de faire GDA. De faire du raid et de vous classer vraiment euh, proprement euh, dans ce jeu. Il y a vraiment la possibilité en un an de vraiment de construire un petit deck sympathique, d'avoir quand même ce qu'il faut pour se battre. L'avantage, j'ai envie de dire, du, du vraiment du free to play ou du quasi free to play, euh, c'est de pouvoir invoquer et d'être vraiment satisfait euh, de ce que vous recevez en échange évidemment c'est sûr je vais pas parler des trois étoiles saison 1 parce que ça c'est dans voilà c'est dans l'air du temps c'est vraiment quelque chose qui débecte tout le monde que ce soit les joueurs plus petits comme les joueurs de très très haut niveau et tout ça quoique ceux qui payent vraiment beaucoup je pense que non non cure mais mais bon ceux qui payent plus modérément à ceux qui payent pas du tout c'est vraiment une calamité les héros 3 s1 c'est vraiment dur mais généralement dans la plupart des cas euh, je n'ai même pas encore tous les héros 4 étoiles de S1. Je n'ai même pas de deuxième Rigard euh, que je pourrais euh, emblémer, enfin euh, que je pourrais au moins monter niveau 75 euh, et costumer puisque j'ai son costume. Donc j'ai pas réussi à en avoir un deuxième. Euh, J'y crois que j'ai eu un deuxième Kiril il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc ça, ça pourrait être quand même intéressant. Donc pour jouer des équipes bleues un peu plus efficaces. Donc ça, c'est bien selon ce que vous tombez en GDA. Donc, ça, c'est plutôt cool. Kiril costumé, qui est quand même vraiment bon aussi, dans son genre. Donc, là, j'ai eu une Sabina costumée il y a pas très longtemps. Du coup, je l'ai eu il y a, il y a vraiment très très peu de temps. Donc, j'en ai eu une deuxième, mais je sais pas si je l'ai gardée, par contre, la Sabina. Euh, je crois pas que je l'ai gardée, parce que j'en tombe régulièrement sur le camp 20, celle-là. Donc, du coup, j'avais gardé le Tyril avec son costume. Du coup, je ne l'ai pas encore becté. mais je pense que ça, c'est des personnages que je vais quand même essayer de garder. Mais je privilégie plutôt le rigard, quoi. Donc, je peux quand même vraiment vraiment me battre avec efficacité. Je veux dire qu'il y a quand même des personnages qui m'aident un peu dans toutes les couleurs. Je vais quand même tirer une petite palme. Et là, je voudrais quand même remercier trois quand même gros héros de mon deck. Honnêtement, qui, qui font vraiment le café. Et ils sont vraiment sous vos yeux. Hein. Euh, je voudrais vraiment faire un gros big up à des, à, à des pixels. Ouais, ouais, je sais bien. C'est un peu con, mais je voudrais faire un gros big up énorme. À rigard, parce que ce personnage est costumé en plus de surcroît. Ce personnage est vraiment, mais monstrueux. Vraiment. C'est vraiment un personnage, mais ultra efficace, qui me fait faire mon aventure, qui me fait gagner en facile difficile de la saison 2. C'est ce personnage qui m'aide la plupart du temps à gagner mes raids, en permanence. Euh, C'est celui aussi qui me permet souvent de gagner mes combats euh, de GDA quand j'ai la chance de pouvoir le mettre dans une équipe. Euh, donc ce personnage là franchement c'est un gros gros big up à lui c'est un saison 1 et je dois dire que honnêtement c'est vraiment grâce à lui euh, que j'ai beaucoup plus de facilité à avancer dans ce jeu, dans l'aventure, en GDA pour mon équipe, dans les raids, dans les tournois quand on a le droit de le jouer même dans des tournois 5 étoiles donc franchement rigarde ça, je dois dire, merci à toi, t'es vraiment un excellent personnage. Deuxième personnage que je voudrais vraiment euh, bah, dire, euh, vraiment de tout le bien que je pense de lui, c'est Gullin Bursty. On m'a dit très très longuement, monte ce personnage, il est ultra important, il, il va tout déchirer, tu vas voir dès que tu l'auras, euh, il va vraiment t'aider. Mais merci, oui, mais complètement, oui, merci. Merci, ce personnage est très 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 bon. C'est vraiment un super perso. Euh, c'est un soutien, c'est un énorme soutien. Je peux pas l'emblémer parce que je n'ai pas d'emblème de druide, malheureusement, puisque j'utilise mes emblèmes de, non, pas d'ecclésiastique de druide. Qui c'est que je monte en druide? Ah oui, je monte Cadilen Bah ouais, je monte Cadillen. Donc pour l'instant, je, je peux pas m'occuper de Gullin Bursty puisque, malheureusement, il est trop faible pour une défense raid, contrairement à une Cadillen. C'est pour ça que je privilégie la Cadillen pour l'instant. Mais, voilà ça, Gullin Bursty, honnêtement c'est vraiment un personnage moi que j'adore par dessus tout et je remercie mille fois les gens qui m'ont recommandé de le monter et c'est vrai que dès que j'ai eu l'occasion de le monter je l'ai fait je regrette pas du tout parce que c'est vraiment un personnage mais très, très 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 solide qui apporte énormément de dynamique de sauvetage donc à mes raids, à mes GDA etc donc franchement merci infiniment pour ce personnage, merci de, 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 que j'ai pu la c'est vraiment un grand soulagement, c'est vraiment un super perso. Je dois dire aussi, je voudrais donc lancer quand même une énorme palme aussi, quand même, à un autre personnage euh, qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais franchement, moi j'aime vraiment beaucoup. Euh, c'est quand même Franck. Franck, euh, ce personnage fait de très lourds dégâts, vraiment, franchement. Il est lent, moi je l'utilise euh, dans sa version normale. Pas la version costumée, parce que j'aime beaucoup moins la version costumée. Mais dans sa version normale. Le inflige 200% de dégâts, à tous les ennemis. Les dégâts sont augmentés de 45% pour chaque ennemi mort, ce qui est ultra important. Et tous les ennemis reçoivent moins de 44 défense pour 4 tours. Je vous assure, ce personnage, il est exceptionnel. Il est vraiment fort. Il tape très très fort et il m'a sauvé de la misère. Mais je ne sais combien de fois. Il est dans ma 3 de bleu à tous les coups. Il est là. Euh, ça, franchement, il ne passe jamais à côté d'une composition d'équipe où j'intègre du bleu dedans. Que ce soit en raid, en GDA, euh, même dans mes défenses euh, tournois, la plupart du temps il y est. Je trouve son efficacité redoutable et honnêtement j'aime ce personnage. Il est emblémé 20, je l'ai en version costume donc il est un petit peu plus puissant. Voilà franchement ça c'est vraiment un gros big up à ces trois personnages. Je ne cite que eux parce que ce sont vraiment des personnages 4 étoiles. Pour ne pas citer de héros 5 étoiles, parce que voilà, on les connaît, on sait que les héros 5 étoiles, ce sont vraiment des personnages forts. Hein. Euh, big up à Sartana, qui est vraiment un sniper, mais excellent de la saison 1. Kadilen euh, qui, euh, malgré sa faible puissance d'attaque, euh, de dégâts, offre quand même un 74% de défense contre les compétences spéciales pour trois tours en rapide, ce qui est loin d'être négligeable. C'est excellent ça. Ça c'est vraiment très bon. Donc ça je peux pas dire vraiment Léonidas qui pompe la mana, qui pompe de la vie donc très bien, le renvoi de dégâts d'Elena qui sert énormément aussi dans beaucoup de situations. Donc merci à ça. Une petite quand même penser pour ma chère Iris, qui est vraiment vraiment extraordinaire, parce que moi j'aime beaucoup euh, sa compétence qui dissipe les bonus de la cible et des ennemis proches à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Ça c'est quelque chose d'excellent. Franchement c'est excellent. C'est vraiment génial à jouer. Elle brûle pas en plus, elle résiste. Donc euh, voilà, c'est ça, ça empêche que sa mana soit dissipée. Elle est rapide, elle a une force d'attaque qui est quand même relativement bonne. Et pour l'instant, elle a un petit peu de santé assez faible. Pour l'instant, elle n'a pas la chance d'être emblémé parce que eh ben, j'ai choisi Sartana qui était un, un, un bon sniper puisque j'avais commencé Sartana et j'avais commencé à emblémer Sartana donc je vais finir par Sartana donc voilà vraiment petit big up à Iris aussi donc j'ai eu la chance d'avoir cette année donc vraiment ça c'est super cool. Voilà les amis c'est le petit topo. Donc pour l'instant saison 3 on n'y est pas encore. Euh, les GDA, bah, si on est dans une grosse équipe, bah, on tape de la GDA quand même euh, assez lourde avec vraiment des héros assez forts. Hein. On tombe sur des défenses à 5000, 4900, 5000. Donc voilà c'est vraiment du lourd, c'est du dur. Euh, mais c'est sympa, c'est vraiment très intéressant à jouer. Les raids, euh, bah voilà, là on tombe sur du, euh, du platine diamant, hein, donc sans trop forcer. Donc vraiment très bien aussi, vraiment il y a de quoi s'amuser. Les tournois sont vraiment, j'ai établi vraiment des listes de personnages à faire. Donc j'ai toujours du 5 étoiles, j'ai toujours euh, du 4 étoiles, du 3 étoiles pour mes tournois, je monte les troupes un petit peu de chacun, voilà, pour, pour vraiment bien développer l'activité du jeu. Donc, je dois dire qu'honnêtement, il y a vraiment plaisir et matière à jouer vraiment très agréablement à Empire and Puzzle. Donc, vraiment, même en pseudo-free-to-play, parce que j'ai envie de dire pseudo, parce que honnêtement, le pass VIP, il ne faut pas croire que qu'on de, devient euh, pay-to-win. Hein. C'est vraiment pas le cas. C'est vraiment, vraiment un soutien euh, pour avoir vraiment de quoi faire le double maçon. Hein, c'est vraiment ça. Ce n'est pas les peu de gemmes qui nous font tomber à la journée euh, euh, que ça va vraiment changer la situation. Donc, honnêtement, c'est vraiment essentiellement le double maçon qui fait vraiment du bien donc voilà pour les nouveaux joueurs donc si vous avez la possibilité de jouer un petit peu avec le VIP, faites-le ne mettez pas un centime dedans parce que je vous prie de me croire qu'honnêtement le plaisir de jeu en free-to-play, donc quand vous mettez pas d'argent pour essayer d'avoir des invoques je sais c'est frustrant de voir les autres t'en choper et que vous vous n'avez rien du tout c'est vrai, je suis vraiment d'accord, c'est vraiment dur mais honnêtement le plaisir de jouer reste vraiment intact et vous avez vraiment l'impression de faire quelque chose avec votre jeu donc voici l'évolution euh, du jeu en un an, voilà le des un an de quasi, 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 quasi free to play, donc de Empire and Puzzle. Donc, si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à me les poser et j'essaierai de vous répondre euh, bah, dès que je pourrai, même euh, des en commentaire sur cette vidéo. N'hésitez pas donc euh, à me donner vos impressions sur votre ressenti sur votre free to play à vous ou sur même l'évolution globale de ce jeu. Je prépare une vidéo super marrante. Je pense qu'elle sera super marrante euh, bientôt là donc je suis en train de travailler euh, bah très très précautionneusement dessus. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci donc de soutenir la communauté Empire and Puzzle. Merci de soutenir les free to play. Merci de soutenir les joueurs. Merci de jouer et d'être aussi gentil avec tout le monde. C'est cool. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à très bientôt. Ciao bye bye.